grosse viande après là. Ça a été un gros championnat. Ça a été un gros championnat pour la voiture WeatherTech Belmar. Écoute, super fier de mon équipe. La gang a travaillé très fort tout au long de la saison. Puis j'en parlais justement plus tôt, c'est vraiment une course à la fois, puis s'assurer de tout le temps être fiable, finir nos courses en tant que pilote, mais aussi en tant qu'équipe, s'assurer que les voitures sont bonnes jusqu'à la fin de la course, donc aucun bris mécanique. Et puis, oui, à un certain moment donné, bon, on était rendu dans l'Ouest, on gagne à Edmonton, on mène le championnat, puis il restait la moitié de la saison à faire. Donc, de garder la tête tout au long de ces 6 dernières courses-là, c'était pas facile, de garder la pression au minimum, s'assurer de focusser sur les bonnes choses et puis continuer à bien performer. Donc, encore là, une fois, je suis super fier de ma gang. Mais là, on recommence cette année un tout nouveau championnat 2019 avec la voiture WeatherTech Belmar. Et puis, on veut répéter. Et pour répéter, il faut être capable de garder justement ce calme-là puis la même intensité, mais en même temps aussi fiabilité. Et je pense que ça va t'en prendre parce que sérieusement, je ne sais pas si c'est moi, là,